Bien le bonjour à tous, nouvelle petite livraison ce matin et surtout nouveau petit client. Livraison par DHL comme d'habitude, aucun souci. Par contre, livraison toujours en provenance de Chine, mais j'ai voulu tester les fameux agents chinois qui s'occupent entre guillemets de regrouper votre marchandise et de vous les expédier bien sûr en Belgique, en France ou autre. Livraison avec DHL ici en à peu près 20 jours, un petit peu moins, je pense. L'avantage de passer par un agent, c'est entre guillemets justement de pouvoir regrouper un peu toutes vos commandes, entre guillemets, tous vos produits. L'avantage aussi de passer à un agent est bien sûr la livraison. Comme vous pouvez voir ici, le colis a été super bien emballé, super bien protégé, bien sûr à ma demande. Vous avez énormément d'options. Là, j'ai voulu faire un petit test entre guillemets. Où là, on a vraiment un système de double box. C'est carrément mis avec des petites sangles de protection. Comme vous pouvez voir sur le carton, en plus de ça, sur chaque côté quasiment, vous avez des renforts supplémentaires pour ceux entre guillemets qui voudraient commander des entre guillemets des baskets entre guillemets, mais avec des box bien spécifiques pour les collectionneurs. Je dis pas, ça a vraiment son avantage. Je vous fais bien sûr ici, le petit déballage, vite fait, entre guillemets, plus la réception du colis, ça pourra justement peut-être en intéresser certains. Alors, on ne traîne pas, ça va aller assez vite, le carton est assez petit. On va couper toutes les petites sangles. Ça, franchement, pour les collectionneurs, ceux qui veulent vraiment avoir des colis et des livraisons, allez, avec les box, sans que tout ne soit endommagé, c'est le top. Alors, on avait déjà les petites sangles. Je leur avais demandé bien sûr de vraiment faire un effort selon les options. Ça a été respecté. Sur chaque côté, on voit bien ici, j'ai vraiment tous des petits caches un peu partout, qui cachent comme ça, qui permettent de bien protéger les box. Hop, allez, on y va franco. Dans les options, il y avait une option pour justement qu'il y ait un petit film de protection contre l'humidité. Je vois que ça a été respecté et ça a bien été fait. Allez hop. On ne traîne pas trop parce que ça fait du bruit pour pas grand chose. On met tout ça par terre. Le petit carton lui-même, tout ce qu'il y a de plus simple. Vous voyez, rien que le fait justement d'avoir ces protections en plus, si j'aurais reçu le carton comme ça tel quel, je pense qu'il aurait vraiment été écrasé dans tous les sens. Bon allez, on ne traîne pas. Je vous déballe ça vite fait. Tout doucement. Alors, ici, tac. On va couper là. Chacun décolle un petit peu partout. Tac. Ah, ils se sont fait plaisir au niveau collant. Hein. Tac. Quand je vous dis que c'est bien protégé. Il y a encore à l'intérieur, il y a même encore de la mousse pour protéger ce que vous avez commandé. Et à l'intérieur, bien sûr, les différents petits produits. Tac. Tac. Et voilà. Et ça ici, ce sera les produits en question. Hop. Donc voilà, ça c'est les deux petits produits que j'ai reçus. Et ça, bien sûr, je vous les présente tout de suite après. Voilà, vous avez un petit déballage, surtout en rapport avec la livraison du colis. Au top. Allez, je vous dis à tout de suite. Je fais en sorte de déballer tout ça vite fait pour vous les présenter. À tout de suite, salut. Rebonjour à tous, je vous reprends ensuite.
à l'arrivage du colis. Alors, on est parti ici sur deux petits produits. Il va y avoir une écharpe, comme vous voyez déjà à peu près, et ensuite derrière, deux nouveaux petits fournisseurs que j'ai voulu tester, surtout en rapport avec la livraison, comme je vous disais tout à l'heure, avec Shugargo, qui est donc un agent qui va gérer, entre guillemets, la réception de vos produits et de vous les envoyer, bien sûr, après, chez vous, une fois que vous avez confirmé, bien sûr, les produits que vous désirez. Allez, je ne traîne pas. Petite écharpe Gucci, ça tombe bien, c'est l'hiver. Comme, allez, quasiment tous le font, hein. Vous avez systématiquement les petits sacs Gucci. Allez, hop, le sac, ça disparaît. Petite écharpe, code couleur qu'on reconnaît facilement chez Gucci. Un peu style café au lait, un modèle qu'on voit régulièrement un peu partout. Petite écharpe, donc ça va aller assez simple. Ça va aller assez vite, entre guillemets. Hein. Elle est assez simple. Vous avez bien sûr les petites pubs et petites pubs Gucci. Ici à l'intérieur, pareil. Les petits froufrous. C'est pas ce qu'il y a de plus top top, mais bon. Le double GG. Est encore correct. Vous avez du coup deux codes couleurs, bien sûr, plus foncé, plus clair de l'autre. Selon comment vous allez la porter, automatiquement ça donne un petit look supplémentaire. C'est pas vilain, c'est pas vilain. Le produit en lui-même, par contre, est super doux. On n'est pas sur un produit dégueulasse, rêche, bien au contraire. Allez, je viens de, entre guillemets, de réceptionner les colis, tout ça, après ça va partir direct à la machine. Et à mon avis, ça va rester bien doux. Allez, on ne traîne pas. Petite écharpe, sympa pour l'hiver. Nickel. Suivant, deuxième petit produit. Hop. Comme je vous disais il y a deux minutes, toujours avec les petits sacs en rapport avec la marque. Hop, on fait disparaître le sac. Alors ici, on est sur un sweat Dior. Ça va aller très vite aussi. Pas grand chose à dire, hein, un beau petit sweat. Une chose par contre, automatiquement j'ai déjà déballé le produit, je l'ai testé vite fait, j'ai regardé s'il n'y a pas quelques petits défauts de ce côté-là, nickel. Mais alors par contre, le poids. Rien que ça, je vous le dis clairement, c'est un gage de qualité. Le sweat, il fait un poids, je serais curieux, il faudrait que je le pèse d'ailleurs. Je pense pas avoir reçu un pull ou un sweat ou autre en provenance de Chine, avec un poids pareil. Bon allez, on ne traîne pas de trop. Alors, petit sweat Dior, on n'est pas sur un flocage, mais bien sur de la broderie. Et franchement, le décor, le dessin, l'inscription, au top. Au top de chez au top. Il n'y a pas de petit fil qui dépasse à l'extérieur, entre guillemets. Franchement nickel. Bon, on a bien sûr les petites étiquettes Gucci. Ici, pareil, vous avez la référence du produit. Ça, on s'en fout un petit peu. À l'intérieur, on a juste l'étiquette, tout ce qui est lavage, entretien. Mais alors, par contre, à l'intérieur même, c'est la qualité du tissu. Et sur une espèce de produits un peu type pilou-pilou, des trucs super doux. La broderie de l'intérieur. Bon, ça sera à l'envers pour vous, désolé, hein, je fais un peu au plus vite. Si je bouge de trop, ça va être flou. Il y a quelques petits fils. Automatiquement, quand ça a été cousu, ça laisse quelques petits fils. Un petit coup de ciseau et hop, ça disparaît. Après, c'est à l'intérieur du pull, hein, donc c'est pas gênant. Donc voilà, voilà. Il n'y a que ce motif-là devant, donc je ne vous retourne pas le pull complètement non plus. Il n'y a pas trop d'intérêt. Alors, je vais essayer de vous mettre les liens, bien sûr, des fournisseurs sur ma chaîne YouTube, au cas où, si vous voulez jeter un petit coup d'œil. Et je vous mettrai un lien aussi d'une chaîne YouTube, la chaîne de Dexter, que je suis, je me suis d'ailleurs moi-même abonné, car il fait un boulot remarquable. J'ai réussi à contacter sur YouTube, suite à ces vidéos que j'ai regardées, concernant justement comment commander sur Shugargo.
Je vais poser la question clairement, à savoir si je pouvais citer bien sûr son nom et limite mettre un lien de sa chaîne directement dans cette vidéo. Donc, si vous voulez commander, vous aurez bien sûr le lien de sa chaîne pour justement comment commander sur Shugargo. Donc, encore un grand merci justement à Dexter qui m'a répondu très rapidement, très réactif et pour un boulot super et vraiment au top. Je vous conseille. Allez, sur ce, moi, je vais continuer à faire mon petit montage, quelques petites photos, et je vous mets ça sur ma page YouTube au plus vite. Allez, sur ce, je vous laisse. En ces périodes de fêtes de fin d'année, passez tous, bien sûr, de très bonnes fêtes de fin d'année. Allez, à bientôt. Et un petit pouce bleu, on n'oublie pas. Salut, salut. Ciao, ciao. À bientôt. Thank you.